Bonjour tout le monde, c'est Coolino et bienvenue dans ce 15e épisode de Playthrough de Prince of Persia, l'âme du guerrier. Alors, dans l'épisode précédent, ça y est, on a mis la main sur le masque magique qui nous a transformé en l'ombre qu'on voyait de temps en temps. Alors, cette ombre, elle a quand même un pouvoir spécial à double tranchant. Les orbes de sable se régénèrent tout seuls, mais par contre, notre vie se consume petit à petit. J'en ai aussi profité pour récupérer mes notes pour vous dire à quoi correspond le coup spécial de la crosse de hockey, que nous avons aussi récupéré dans l'épisode précédent. Donc en fait, la crosse de hockey, alors je cherche la bonne ligne... Alors, ces dégâts augmentent au fur et à mesure que vous effectuez des combos à plusieurs coups. Donc, oui, dix astuces, cette arme est indestructible, elle peut tuer en un coup. Donc c'est bien ce que je disais, mais en fait, c'est seulement si le combo est au max. Voilà. Pour les autres armes, alors l'épée de lumière qu'on va récupérer plus tard, cette épée permet également d'infliger deux fois plus de dégâts lors du combat. Je vous lis pas la suite parce que ça spoil. C'est aussi une arme indestructible qui tue en un coup, ok. Alors le flamant rose. Arme indestructible qui met l'ennemi au sol en l'assommant. Excusez-moi. Alors, la main de Rayman qu'on a déjà récupérée. La main de Rayman inflige beaucoup de dégâts et a pour caractéristique d'assommer les adversaires. Et enfin, la dernière arme, le nounours. Tiens, c'est original. Il n'inflige aucun dégât, a pour capacité de régénérer le prince chaque fois qu'il tape avec. Ah d'accord, donc il fait pas de dégâts, mais il régénère. Ok. On va reprendre de la vie, parce que toute cette discute, ça nous a bien consumé la vie. Donc on a récupéré le petit coffre, là. Et on retourne ici. Oh, un griffon. Bon, super simple à battre, hein. Vu que nos orbes de sable se régénèrent, tout ce qu'il y a à faire, c'est bourriner. Bon. Sauf là, parce que c'est impossible à faire. Hop. Hop. Renforcé. D'accord, donc il va nous refaire ses attaques. Hop là! Hop là! Hop là! Encore une fois! Encore une fois! Hop là! Et t'es presque mort, et voilà!
comme par hasard, il a descendu la plateforme, mais ça, sans la détruire. Ahem! Hop. Donc, c'est pas où je dois aller. D'accord, je dois faire le tour. Ok. Hop. Allez, hop. Hop là. Hop. Hop là. Et voilà. Jette un coup d'œil voir si je peux rien. Apparemment non. Wouhou! D'accord, c'est pas comme ça. Comme ça, c'est beau. Ensuite, ok. Hop là. Et là. Ah oui. Hop là, comme ça. Quelque chose par là? Non. Et nous revoilà dans les jardins. Hop. Je suis bien trop fort pour lui. Ah ouais, on va voir ça dans 5 minutes. Si je n'aille pas. Parce que là, c'était une belle gamelle. Hop. Voilà. Hop, nouvelle image débloquée. J'aime bien, il montre que la tour est activée. Enfin, oui, les trucs des jardins sont activés. Alors que je ne suis pas encore censé les avoir activés. Il y aura plusieurs erreurs de genre tout au long du jeu. Ah, c'est vrai. Hop. La bonne eau. Oui, je sauvegarde. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait des filles ici. Bonjour mesdames. Je ne suis pas là pour te faire. Voilà. J'espère que la caméra a un petit problème. Voilà. Bonjour messieurs. C'est vrai qu'elle est assez costaud, mais pas invincible non plus. Ah, on va pouvoir récupérer le flamant rose, si je dis pas de bêtises.
Ouais, parce qu'on est dans le présent. Voilà. Là aussi, le coffre, il est ouvert alors que je suis censé pas encore l'avoir ouvert. Il y a plein d'incohérences temporelles dans le jeu. Non, c'est pas dans cette époque qu'on peut. C'est dans le passé. Hop. Bonjour, maître Corbeau. Ça faisait longtemps. Au revoir. Hop. Hop. Ne le laissez pas passer. Pourquoi? Ça fait peur. Envoyez des renforts. Faut dire que c'est vrai qu'avec mon nouveau fond de teint, c'est... J'ai pas une mine terrible. Oh là, qu'est-ce qu'il me fait? D'accord, il y avait un... Fallait le temps que la console le charge... Le chemin vers la salle du trône. Aïe, aïe, aïe! J'ai pas pu récupérer l'épée! J'aurais dû faire une sauvegarde. Mais je voulais pas boire de l'eau, je... Ah oui, c'est vrai que ma vie... Ce n'est que le début. Non, j'ai pas sauté assez haut, assez avant. Et j'aime bien, c'est que le drap, il est resté déchiré malgré que je sois remonté dans le temps. C'est lui, mon impératrice de la mort. Comment vous pouvez le savoir? J'ai complètement changé de forme. Ah, y a pas à dire à ce niveau-là, je suis beaucoup plus costaud. C'est qu'une égratignure. Toi aussi, c'est une égratignure. Coupée dans la longueur. Hop, hop. Hop. Là. Il y a encore ce bug avec la lumière du Daaka. Hop. Parce que normalement le Daaka il arrive là et il nous fait la poursuite et tout, mais là ça, il y a un bug de lumière qui fait que c'est toujours sépia quand on approche de cette zone. Hop, bon, je dois aller par où maintenant moi? Parce que là, je vais pas dire, mais je sais pas du tout où je dois aller. Ah d'accord, j'avais pas vu le petit monticule là. Enfin, la petite corniche. Voilà, hop. Hop. Et hop. Hop. Ouais, non, là, je peux pas encore y accéder. Il faut que je retourne dans le passé pour pouvoir casser le truc. Hop. Hop. Bonjour, messieurs.
Ah, excusez-moi, j'ai le chat qui veut rentrer. Voilà, chers amis, excusez-moi. Voyons voir. Pour ouvrir, c'est là. Hop. Normal. Encore du sépia. Il y a vraiment le Daka ou c'est encore un bug? Parce qu'il y a certains endroits, ça bug, il y a toujours du sépia. Je vais faire une petite sauvegarde. Aïe. Il fallait qu'elle arrive juste au moment où je passe. Hop. Hop. Allez, saute. Hop. Pas grave, je suis passé. Ah oui, c'est par là. Hop. Je ne me souviens plus du passage. C'est pas grave. De toute façon, si je suis bien où je pense être. Ouais, d'accord. Non, en fait, c'était pas par là que je devais passer. Bon, je crois que j'ai fait un beau fail. Voilà, c'est bon. Ouais. Hop, voilà. Hop. Hop. Mais du coup, ça sert à quoi cet interrupteur? D'accord, c'est juste pour les pics en fait. C'est juste pour les piques. En fait, c'est un piège. The Trap. Aïe. Décidément, vous êtes agiles, les filles, hein. C'est vos petits amis qui doivent être contents. Et si on en discute? Pour vous, le Kamasutra, c'est pour les petits joueurs.
J'ai fait de mon mieux, impératrice, mais c'est un redoutable guerrier. Il a atteint l'île. Pire, il m'a suivi par un des portails. Il est là, ici, dans notre temps. Tu oses paraître devant moi après cet échec. Ta mission est de me protéger. Je ne sacrifierai pas ma vie à cette folie. Si vous voulez changer la ligne du temps, chargez-vous-en vous-même. Après tout ce que j'ai fait, comment osez-vous? Je sais déjà comment tout ça va finir. En effet, on sait déjà tout ça. Oh, aïe! On est en arrière comme ça, ça m'évitera d'avoir perdu de la vie pour rien. Voilà, de toute façon, mes orbes de sable se régénèrent à l'infini. Hop hop, stop. Non, j'ai pas assez remonté. Remonte encore, voilà. Hop là. Je suis où là? Aïe. Hop là, on récupère de la vie et on sauvegarde. Voilà. Qui détruit le mur. Tu l'aurais jamais cru. Les meurs. Tu ne mourras pas, les toutes affreux continueront à popper. D'accord, ça n'arrête pas de popper ici. D'accord, bon, autant passer par le trou. Voilà. Merci. Au revoir. Préviens-moi quand tu comptes te battre sérieusement. D'accord, super efficace. Je m'attendais pas à ça, moi. Je m'attendais à un super ralenti de la mort qui tue, pas à une vague d'énergie de la mort qui tue. Et si on en discute? Là. Encore une. Et vous êtes combien comme ça? Tu ne sais pas comment frapper une femme. Mais si, c'est juste que j'ai des scrupules à le faire. Voyons voir comment je fais. Comme ça.
D'accord, j'ai compris. Hop. Là pour me faire perdre du temps et ainsi perdre de la vie, j'ai l'impression. J'ai attendu trop longtemps. Non, pas ça. Reviens en arrière. Hop. Ce n'est que le début. Je l'ai pas vu celle-là. Enfuis-toi tant. Hé, je l'avais eu avant. Hé ! Là, vous êtes témoin, elle était morte. Et là, j'ai sauté trop tôt. Voilà. Ben là, je suis assez mal parce que je dois voir. Comment quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, 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 hop là. Allez, de l'eau, s'il vous plaît. De l'eau. J'ai sauvé ma propre vie sans le savoir. Ah, il retourne en arrière. Holy. Bon. Hop.
Hop. Et hop. Et enfin de l'eau. Alléluia. Ça fait du bien. Donc, voyons voir. Je regarde si jamais j'ai pas loupé autre chose. J'en suis à combien de vidéos? Ah bah, j'ai fait le temps d'épisode. Donc, chers amis, fin de ce 15e épisode de Playthrough de Prince of Persia, l'âme du guerrier. Comme d'habitude, je vous invite à mettre des pouces et tout ça. Et à la prochaine pour l'épisode 16. À plus!